Parce que en allant comme alors balade depuis il veut faire comme il veut faire comme il veut faire comme il veut faire comme comment à tout ce qu'on a droit qu'on a fort qu'on a depuis la mais je suis avec de l'autre côté moyeur là mais tu n'as pas à te justifier parce que c'est ton choix. Tu marches avec qui tu veux. Il veut t'amener mon homme qui dit il t'amène nous l'idée. Tu marches avec qui tu veux. Ça va Oumi, ça va ma chérie. Tu marches avec qui tu veux. Ni mais qui dit ok. Mais ce mec est big là. Elle t'a déposé à vie. Mm-hmm. Na yere bola kana foko no kondoni. Anou yere bebi chargé. Oui oui. Na bola ou na kana foko kondoni. Nous mais on va la charger. Parce que toi, tu l'as jamais considéré comme ta sœur, jamais de la vie. Toi tu es sûr que ce que t'entends le faire là, ta pauvre c'est même pelle. Il dit c'est kanka là. Voilà tu c'est kanka là. Ta pauvre c'est même. Chaque fois tu peux venir la mettre à la verdure populaire comme ça, jamais. Mais tous les jours c'est ma grande sœur, je l'aime. Mais tu l'aimes, mais tu marches avec ce qu'il insulte. Tu marches avec ce... Parce que si tu dis que quelqu'un t'a celle-là, donc la maman de Biggie, c'est ta maman aussi. Mais tu marches avec ce qui insulte Biggie. Tu marches avec ce qui insulte le cadavre de sa mère. Ce sont tes potes. Ce sont tes copines. Mais tu l'appelles quand même ma grande sœur. Donc tu penses que Ibn Anadjigi, et puis elle va se précipiter. Ou bien nous les fans, retenez quelque chose. Attendez. Au lieu qu'on soit amoureux, là, parce que comment est-ce là. Les fans à Tegrigri là. On est fan à Tegrigri, mais on n'est pas bête. À Tegrigri, il ne veut pas dire mouton. Hein? Alors, c'est ce que vous pensez dans votre tête. Vous pensez qu'à Tegrigri égale à mouton. À Tegrigri n'est pas égal à mouton. De l'ignorant, quand ta femme va accoucher là, on va afficher partout. Tous les jours, quand tu viens nous. Depuis le début de cette histoire, ça a fait un an aujourd'hui. Tous les jours, c'est toi qui sortais pour nous insulter. Alors, fanou le bas claté. Donc, tout ce que tu nous as fait là, tu vois, il ne veut pas, il nous a dit, donc nous, on n'a qu'à penser à vous, parce que nous, on est bêtes. On aime Biggie, mais on réfléchit. C'est ça qui t'a fait mal. C'est la partie que les gens n'ont pas compris. Parce que, on n'a pas pris ton truc de truc là. Même la femme d'Alou a couché. T'as vu comment on a pris la femme d'Alou, Mousso, du côté à café. Tu penses que Ategri est égal à bête. Ategri n'est pas égal à mouton, hein. Donc, l'homme, il est venu à nous, maintenant, on doit te soulever. Pourquoi on va te soulever? Toi-même, tu dis que tu nous aimes pas. Non, si on dit, ah, salam Fatia, faut partir, on va chez quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais pourquoi ça te fait mal autant? L'homme, ma croix. Il me dit, là, non, tu vas blairer, ben. Hé, la femme de Nanani a accouché. Ouais, venez, on va faire droit. Qui es-tu? Tu vois notre énergie là, on en a rien à foutre avec ça. On a encouragé un mot à côté de moi qu'il est mousso du coup. Au lieu de qui dit, c'est ça qui t'a fait mal. Parce qu'elle n'a pas partagé, ses femmes n'ont pas partagé. Mais tu as déjà ta fille. Dieu a fait que ta femme a couché dans les bonnes conditions. Mousso, Alhamdoulé, elle a une bonne santé. Ta fille aussi a une bonne santé. Au lieu de venir t'asseoir, venir remercier le bon Dieu pour le bonnet qu'il t'a donné, non, hein. Tu préfères venir dénigrer les gens, même dans ton bonheur. Tu fais un règlement de compte dans ton bonheur. Il y a bonheur là, Ibn. Parce que toi, tu viens toujours faire un règlement de compte. Toi, tu viens toujours faire un règlement de compte. Au lieu de venir, Ibn Anamoro, remercier. Je vais remercier Dieu. Non, tu viens faire un règlement de compte chaque fois. Tu sois hier là pour remercier les gens, pour dire, ah non, comme ça. Merci beaucoup, Mika. Ça va, Mika? Tu veux le nom comme ça, les Warafans? Mais les Warafans, ils vont aller bien. Mais nous, on dit, on ne va pas te féliciter. Moi-même, je ne te félicite pas. Voilà, c'est pas fini. On ne te félicite pas parce que tu ne nous as jamais aimés. Tu nous as toujours insultés depuis le début de cette histoire. L'homme béni, voilà. À tes griffons, nous, le bac à la tendeur. On le bac à la tendeur. Il est digla. On nous met à quitter, il est félicité. Pourquoi? Moi, mais même si je connais quelqu'un qui est dans tes griffons, il te félicite, je le bloque. Voilà, Amaba, on ne te félicite pas. Va avec ceux qui t'ont félicité, on n'en a rien à foutre. Ça va changer quoi dans notre quotidien? Rien.